Catherine Média. Donc, notre société, en fait, a été lancée il y a 5 ans. Il y a 5 ans, nous développions un service d'apprentissage des langues exclusivement sur mobile. Donc, à une époque où il n'y avait pas d'iPhone, pour se remémorer comme les temps ont changé depuis. Alors, c'est vrai que depuis, donc avec les travaux de recherche que nous avons menés avec l'Institut Télécom en particulier, leur équipe d'enseignants, nous avons compris que l'important n'était pas le support finalement, mais la facilité d'accès. Et la facilité d'accès notamment à des contenus authentiques qui est notre approche. Alors, depuis 5 ans, notre démarche, notre méthode n'a pas changé. Donc, nous proposons de travailler en immersion au travers de médias authentiques, au travers de documents qui sont notamment des documents vidéo. Donc, on bénéficie de la richesse de ce média. En particulier, donc, nous proposons des services pour travailler à partir de l'actualité au quotidien. Donc, un service s'appelle My Foreign News. On propose des formules pour les particuliers, les entreprises, les établissements d'enseignement supérieur. Mais ce que je viens de vous présenter plus particulièrement aujourd'hui, donc c'est un service que nous avons développé pour les collèges et les lycées, donc avec un service qui s'appelle My Foreign News, Teacher Edu. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une plateforme qui propose donc aux enseignants de travailler avec ces vidéos, ces audios, ces articles, qui sont renouvelés quotidiennement par des agences médias professionnelles. Donc les formats sont courts, les sujets sont variés, les locuteurs ont des accents très différents. Et ces documents sont enrichis d'aides linguistiques qui sont simples. Tous les documents sont sous-titrés, les audios et les vidéos sont sous-titrés, le sous-titre est cliquable, les mots, vous cliquez sur les mots pour avoir la définition en anglais. Vous avez également, sur tous les articles, vous pouvez cliquer les mots, par élément, vous aurez la définition. Vous avez également des quiz de compréhension. Alors, la particularité de ce service, donc ce que nous mettons à disposition de l'enseignant, finalement, c'est une plateforme qui lui permet vraiment de travailler avec notre service comme une banque de ressources authentiques. Il peut sélectionner ce qui l'intéresse en fait, parmi nos documents et éditer des quiz s'il le souhaite et les partager en les publiant sur une page web qui est générée très simplement, donc avec ses commentaires et ses activités avec sa classe. Les élèves de leur côté peuvent accéder à ces contenus au travers de leur téléphone, de leur tablette, de leur ordinateur. Donc, au bout de maintenant 5 ans, hein, puisque ce service a été lancé en fait en septembre de l'année dernière, donc au bout de 5 ans, quelles sont nos conclusions, quels sont nos premiers résultats? Donc, les retours des utilisateurs, côté apprenant, ils sont très contents de l'interactivité, ils sont très contents des vidéos, des formats courts. Le fait de travailler de l'actualité, donc les sujets varient régulièrement, donc ça les intéresse. Ils aiment travailler sur ordinateur, ils aiment l'interactivité, que ce soit des quiz ou des médias avec les aides, donc les sous-titres cliquables et le dictionnaire en ligne. Donc ça les aide à se motiver, à se concentrer sur les documents. Et côté enseignant, là, les retours ont été tous allés dans le même sens. Ils sont contents d'avoir un outil, en tout cas, qui leur fait gagner beaucoup de temps, qui leur facilite la tâche, notamment dans le cadre de la nouvelle épreuve donc, au baccalauréat pour la compréhension orale, qui a été mise en place cette année. Ça leur permet vraiment de passer moins de temps sur YouTube, de retravailler les vidéos, en remettant les sous-titres, etc. Là, la base est déjà prête. Et ils sont familiers. Donc, de notre côté, nous prenons en compte, tous ces
retour de nos utilisateurs dans les collèges et lycées, et nous préparons de nouvelles fonctionnalités pour la rentrée, ainsi que l'intégration de nouvelles langues. Et si vous souhaitez plus d'informations, je suis à votre disposition sur notre site.